Mes amis, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? M'espérez-nous en forme, m'espérez-nous en santé. Eh bien, aujourd'hui, là, qui c'est 27 avril 2021, nous rentrer la caillou avec une autre vidéo. Comme d'habitude, nous toujours faisons, nous toujours voulons faire comprendre quelque chose, former ou et informer ou de tout détail qui a passé. Vidéo ça aujourd'hui hein, mes amis, li chargé causer la donne. M'espérer que ou rete ensemble avec nous. Pour les bagay ou ap fè, ou ap mette un like, ou ap partager vidéo et puis ou ap fè commenter pa ou la. Mes amis, et premier bagay n'a parlé de li, c'est une jeune dame qui rele Natacha. M'bral bon nou tande histoire ça, et bien li même la le refait col. Ou konnen de nos jours, mesdames, yon pa konnen sa k pase nan tête yo, c'est fait été, fait derrière. Vous comprenez, pour vous joindre, pour vous souquer sur TikTok, pour vous sentir 10 femmes, pour vous sentir une femme dans la famille, et bien, fuck dada, lui-même, lui vraiment bombé. Et bien, c'est le cas de jeune dame ça, mes amis. Ça, lui-même, moi, en pile, moun ap commenté, yo ap di ki te mele yo, yo ap di sa ke te voye ou. En tout cas, commentaire yo pa dou. C'est raison ça qui fait, jodi an la, moi, vini ensemble avec vidéo, hein. Pour nous, pour nous capables de faire un petit parler ensemble avec nous. Chaque monde a un choix pas, malgré que toujours fait vidéo sur ça, pour nous donner des conseils qui conséquences qui gagne dans le refait quoi. Parce que il y a des gens qui a le refait tété, après ça, tété a vint trop pour eux, parce que, le par exemple, ou refait tété, gagne yon, comme si m'ta dit yon prothèse ou mette en dedans tété, a gagne moun qui compte faire transfert de graisse. Pour mettre graisse yo nan tete a, mais gen moun ki kon di kon sa ke, ah sa li même li pral pran trop tan, mbap katan pou graisse sa li même li agrandi, bon mette yon prothèse en dedans tete a. Est-ce que ça me la, yo mette yon boule en dedans tete a pour faire le gonfler. Se même gens ensemble avec derrière a tout, gen de moun ki al fè derrière, yo mette yon prothèse en dedans derrière a. Est-ce que nous comprenons bien qui ça m'a dit? Parce que, il y a des gens qui font transfert de graisse là. Là, par exemple, pour faire transfert de graisse dans derrière, ça, c'est l'hypophiline, non? OK? Eh bien, il prend un petit temps pour derrière grossir. Il prend un petit temps pour derrière bomber. Est-ce que ou quand moun nan fin fè dè el jodi a la après yon semaine ou dè a mè grosè et puis il gen tap soukèl est-ce que ça me dit la souké maman OK mriz mais c'est pas ça me kal parler à mri OK mes amis Koudam sa li même ki rele Natacha li al refè kòl alors il te besoin yon forme yon belle forme voilà que et docteur a fin refait quoi soi-disant li parler est-ce que ça me dit là ou pral tande ça li dit eh bien c'est pas ça le te besoin c'est vente li qui vinn gros derrière tout petit vente lan vinn gros bon même li pa konnen ki forme li vinn gen après bon moi me conseille moi me ka bay chaque grain moun ki ap tande vidéo ça et le par exemple ou gen yon forme bon chaque moun genyen pense pa yo chaque moun gen idée pa yo est-ce que ça me dit la gen des moun ki gen forme figure yo pa renmen forme nez yo pa renmen forme pied forme derrière yo pa renmen si yo senti yo ta refait li yo ta préfèl et mais c'est même gens moun sa yo senti que pour yo ta comme si yon forme tout bon est-ce que ça me dit la fa ou ta gen derrière pas oublier que bon Dieu li même li vore kon sa. Est-ce que c'est ça que fait toujours venir ensemble avec des vidéos pour montrer de A à Z qui ça gagne dans refait derrière dans refait tête parce que ou gagne une veine qui n'en fait sous est-ce que ça me dit la nerf ou gagne un nerf qui n'en fait sous nerf ça si toutefois ou fait transfert de graisse la passer dans nerf la chérie nan ou tout mourir. Pas oublier que dans cas ça gen un paquet mesdames qui victime dans cas ça yo mais on trouve dame ça li même qui rele Natacha li gen un pile cran il gen pile cran parce que gen un pile moun qui victime dans son sac qui pas parler mais li même li choisi parler pour l'autre moun qui pral faire capable prendre précaution. OK, ça lui même t'es juste fait un petit parler de lui. Mesdames, pas agir à la volée, pas agir comme ça ou un monde à le refaire d'elle et puis ou même blou ou courir ou aller tout blou ou courir refaire tête ou. Plutôt nous fait sport, est-ce que ça me dit là et parce que nous dit comme ça que sport pas bon nous exactement ça nous besoin mais avec patience ou joindre. OK? Tant que dame ça lui même faut que lui vraiment prendre des précautions parce que le ou fin refait quoi gen un paquet de mouvement que ou pas ka fait et vraiment moi l'a fait des séries de collets et de toute façon faut que li
prend en charge des têtes pâles qui gantant et fait une opération déjà opération mal passée faut qu'on gérer vie ou alors mesdames qui pral refait corps faites attention avec gens de bagage ça pour nous pas crier après. Et puis mes amis, nous pral parler de porte-parole opposition remettre André Michel déclaré condition yo pas réuni pour gagner élection et à président Jovenel Moïse dans pays d'Haïti. Nous allons venir ensemble avec des détails pour tout à l'heure comme ça. Dans le cadre d'un projet PNH là qui porte non plan stratégique de développement PSD 2017-2021, c'est un troisième groupe policier qui rentre là, qui fait sortir mes amis, qui pral déboucher sur ça ou les sécurité pour pays d'Haïti, parce que depuis autant de ces six mois, idmo mon cher pral gain causé. Est-ce que ça me dit là? Parce que corps ça yo c'est des corps qui spécialisés pour des séries de événements qui a passé dans pays d'Haïti. Nous connaissons pays d'Haïti lui-même, il pas gain sécurité. Gain ça ou les zones de non droit, cité soleil et grand ravine et quoi des bouquets en paquet de côté, et bien zone ça même il y a vraiment besoin corps ça qui fait sortir mon cher Haïti dans bataille. Nous allons venir ensemble avec des détails pour vous tout à l'heure comme ça. Mes amis, avant de rentrer dans les détails, nous sommes capables de dire bonjour ou bonsoir. Ça va dépendre de qui l'a regardé la vidéo, ça ne pas qu'on est. Mais la seule chose, je vous conseille que vous êtes capable d'abonner ensemble avec nous. Vous pour qui ça? Vous permettre nous avancer plus loin. Lorsqu'il est abonné, toujours pesez cette cloche là. Retirez-le, mettez-le sous tout pour qu'à jeune toute dernière vidéo que nous mettez, invitez-les en mes enfants. Madame, je vais montrer Boudam, je vais montrer Boudam. Moi, je vais jouer parce qu'elle m'a fait Boudam, je vais jouer Boudam. Je ne vais pas caca dans Boudam. S'il te plaît, mon bel boudam, d'arrêter. Ado speak Spanish, je ne la police. Depuis le bureau, je n'ai besoin de la police pour lui. Je ne parle pas l'espagnol, so, ça me le dit. Que la police a qui ça? Je ne parle pas l'espagnol, ça me le dit. De quoi est-ce que tu as dit? Capé seulement. Allez. Après 4 mois, la fait la épo, ça me demande de la pas de café là. La fait bibiel, ça me paye pour lui, elle pas de café là. Quand il y a ces 20 mètres, Patrick besoin pour l'ouvrir pour me faire un mitoc. Je dis non, je ne vais pas faire un mitoc, parce que je ne pas venir Saint-Domingue pour un mitoc, je ne vais pas faire Saint-Domingue, je vais juste faire bibiel, parce que je ne vais pas faire un passé, je ne vais pas faire assurance, et puis pour me faire passer pour m'arrêter Saint-Domingue. Je dis Patrick, je ne vais pas faire. Ok? Moun sa ou est fraudioye. Ça qui fait mal, c'est fraudioye. Non, non procédure, pas vrai. Et pas que Patrick n'a pas venu me supposer aller Saint-Domingue, Miami, ok? Donc, l'aime décider pour mal contre Patrick. Il faut écouter $5,000 pour moi. Je dis ok, je paye $1,000 avant. L'aime venir là, je paye $4,000 cash. Je vais montrer nos reçus et cash chaque mois, je vais devoir $1,000 par dit. Et puis. Je vais montrer une vidéo comme je fais ma contrôle avant de déposer le bali, je vais contrôler. Pendant que je vais contrôler, je vais montrer une vidéo comme je vais cash by Patrick. Ça veut dire Patrick, pas fait discount pour moi. Patrick, pas fait rien pour moi. Ok? Je vais payer, je vais payer, pas de discount en rien. Je vais venir jouer mon corps. Je vais venir jouer mon corps. Je vais pas tourner parce que vous avez une bonne chance. Pour te faire ça, pour faire, ou elle paye un moun, ou paye un moun $300, ou faire la pour un BBL. Ce n'est pas seulement moi même, non, l'autre moun a fait ça tout, mais je ne peux pas parler, moi même, je ne peux pas parler. Parce que moi même, comme moi, elle fait mal, il faut me parler pour lui. Okay. I don't know about that $208. Don't play with me, don't make me go crazy again today, okay? I want my receipt, give me my receipt for $1,000 receipt. So you guys are whole fraud. I gave you $4,000. Why the fuck you put 25? Look. Honey, that is not my lady. Oh, whatever. So it's not my name. So. Rose Oh, that's why you guys said, oh, I asked for discount, I didn't pay for my, give me my $4,000 receipt. And I'm not leaving. If you guys don't give it to me, I'm going to the police so the police can arrest you guys for stealing my money and putting a different money for wrong. Como dice, dice en español, man.
Please, parce que je me dis, si vous n'avez pas bon comment, je vais aller en police, je vais venir arrêter pour diffamation, parce que je paye 4 000 $, je vais mettre un diffon dans le freaking risque. Je suis better. Je suis better. Bon, ici, il y a 2 800 $, je vais 4 000 $. Puis une baie Patrick, 1 000 $ dans le cash. Ça fait 5 000 $. Well, I gave her that money. She cannot say, I gave her exactly. She's the one that took the money from me, her. If she's someone going to jail, she's going to jail because I gave her my money. She cannot put a different amount. Mira, mi, don't era usted misma que ella entregó el dinero, ¿verdad? Sí, mi amor. Okay. Esa es la resolución, doctora. Que yo estoy usando la resolución que yo hice. Pero el problema está en que yo le entrego el recibo porque ella me dice que yo no se lo di. Ella ah, me... ok. Yo estoy buscando la copia del recibo que yo le di para okay. Entregarse. ¿Por qué yo me pongo los diferentes? Dice que esa resolución la que te fue. ¿Qué fue? La que se resolvió el defecto para ella. ¿Por qué entrega? ¿Por qué va a un poco de tiempo? ¿Por qué fue? Non, oye, mais ça. Non, je l'ai dit, non? Ça, l'autre PL, ils font reçu pour vous. C'est reçu le défait pour elle, il a cherché pour le payer. L'autre reçu qui gagne, non, Chantal, là, de son l'autre docteur Fell. Oui. Il est docteur. Non, pas docteur. Docteur Patrick qui t'en fait ou bien l'autre monité. C'est docteur Patrick qui te fait. Mais bien qu'il y a docteur Patrick qui fait la reçu. Parce qu'elle dit, si ça, on se trouve, non, on se dit, c'est pas lui-même qui fait. Ça, elle fait, c'est lui, il a cherché pour vous. Qui m'a dit, mon docteur, qui m'a dit, l'autre reçu, à cause j'ai une copie de it pour ma own, pour le mal. Merci, oui, je me mets pour ma lawyer. Bueno, si no es importante tú que la que tú hiciste. Comme ça nous fait. Oh wow. Je suis la proque dans l'estomac. Vous entendez? Pour la fête. Ma proque dans gorge, nous l'âme n'a pas cavalé. On est boulé. Qui joue? N'a vomi. Samedi. What's Saturday? Chantal, no, Chantal Lozier. You have it in there? Yes, I do have it in my passport. There's Pierre in here. Yes, 4,000. Mm-hmm. That is 4,000. Yes. Can I get it? Well, that is not the last name. I want to see the other receipt that. Nan kad yon proje PNH la, ki pote non? Plan stratégique de développement PSD 2017-2021, yon troisième groupe policier qui te fait partie unité départementale maintien l'ordre UDMO. Après yon formation intégrée, pourquoi elle y est là? Corps intervention maintien l'ordre SIMO. Pendant cérémonie graduation ça qui te déroulé dans département Nord-Est vendredi 24 avril 2021 côté diverses autorités te prend la parole parmi eux responsable formation wan qui c'est commissaire divisionnaire Eder Pierre représenté INL yon instance américain Cap Goumen contre zafè drogue à trafic illicite, monsieur Jean-Claude Mondésir, ak représentant direction générale PNH la, inspecteur général Joanny Casséus, c'était occasion pour responsable formation wan, commissaire divisionnaire Eder Pierre, te félicité collègue Lio et puis rappeler nouveau gradué sa yo à qui sa formation sa pral servi yo. Les notions enseignées par les instructeurs en charge de forte formation en technique de gestion démocratique de foule vous permettra, récipiendaire, de faire face aux situations de violence dans le respect du principe des droits humains et de développer les valeurs de l'unité. Bon côté parle, représentant ambassade américaine ensemble avec INL, monsieur Jean-Claude Mondésir pas manqué pas renouveler engagement États-Unis pour continuer aide PNH là vinpi professionnel. L'effort des États-Unis pour soutenir la sécurité dans ce pays vont continuer. Soyez assurés. Yon l'autre côté, inspecteur général en chef PNH la, Joanny Casséus, remercie gouvernement américain pour support dans quatre projets ça. Pendant l'été tout profiter annoncer formation ça pour l'autre policier qui dans l'autre département dans pays d'Haïti. Le cap est désormais mis
sur d'autres départements pour répondre aux besoins du département en maintien d'ordre et d'intervention. Cause référendum ça dans le pays d'Haïti, eh bien, li vle fè en pile tête haïtien yo parti parce que yo pas comprendre rien gen en pile moun ka plaignen de référendum ça. Et bien porte-parole opposition an qui se met André Michel déclaré condition yo pas réuni pour gagner élection ak président Jovenel nan pays d'Haïti entendez ensemble. Nous pas nan négociation avec Jovenel Moïse, nous pas nan référendum avec Jovenel Moïse, nous pas nan élection avec Jovenel Moïse, non pas dans cohabitation avec Jovenel Moïse. C'est la position du principe du secteur démocratique et populaire. Et je vais dire au plus, je dis à pas aucune élection possible. Vous n'avez pas un conseil électoral, ou pas qu'à parler d'élection avec un conseil électoral, il y a 9 membres PHTK là-dedans. Ce n'est pas possible. C'est 9 membres qui travaillent pour PHTK. Il faut un conseil de crédit pour aller à l'élection. Deuxièmement, climat sécurité, Jovenel PHTK mette gang dans le pays, kidnappé monde, tuer monde. Ou pas qu'à parler d'élection, non, climat d'insécurité aussi. Et inquiétant. Troisièmement, toute classe politique là, opposition, toute société civile l'a dit, il y a pas d'élection avec Jovenel Moïse. Quatrièmement, sur le plan technique, les conditions ne sont pas réunies. D'accord? Jusqu'à présent, pour avoir 4 millions de monde qui ont un carte électorale, et son carte électorale dermalogue, personne ne peut faire confiance. Bref, les conditions techniques ne sont pas réunies. Il n'y aura pas d'élection cette année en Haïti. Et si la communauté internationale, si la communauté internationale, oui, mais c'est faux. Si la communauté internationale souhaite vraiment qu'il y ait des élections en Haïti dans un délai raisonnable, cette communauté internationale, qu'il soit ambassade américaine, qu'il soit corps groupe, qu'il soit tout l'autre monde, au département d'État et l'atrier, il fait pour comprendre que il y a quatre conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections. Il y a conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections en Haïti. La première condition minimale, c'est le respect de l'article 134-2 de la Constitution. La deuxième condition minimale, c'est la mise en place d'un conseil électoral crédible. La troisième condition minimale, c'est la sécurité qui gouverne dans le pays. Et la quatrième condition minimale, il faut qu'il y ait des conditions techniques qui réunissent, il faut que tout le monde ait une carte électorale. La première condition, c'est le respect de la Constitution avait dit faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Bref, il n'y aura pas d'élection en Haïti en 2021 et la communauté internationale commence à pénétrer cette réalité, à savoir que les élections sont impossibles avec Jovenel Moïse en Haïti. Et Jovenel Moïse, je le redis, je m'adresse à la communauté internationale, Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est un irritant, il est le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti. Si la communauté internationale veut des élections, effectivement, il faut le comprendre, nécessité pour que le plus vite possible, il évacue Jovenel Moïse. Et nous, autres de l'opposition, nous n'avons pas peur des élections, nous voulons aller aux élections, mais nous exigeons que les conditions soient réunies. Première condition, respect article 134-2 de la Constitution, il faut que Jovenel Moïse évacue, parce que le mandat fini, il n'y a pas de pouvoir par la force. Deuxième condition, il faut gagner un conseil électoral crédible, pas avec Mounsao qui est là. Troisième condition, il faut que sur le plan technique, tout le monde soit capable de jouer une carte électorale, il faut un système fiable, il faut une liste électorale générale fiable. Et quatrième condition, il faut une sécurité pour tout le monde. Bref, nous n'avons pas peur des élections, nous sommes pour les élections le plus vite possible, mais les conditions doivent être réunies. Ministre délégué qui prend en charge des élections électorales à corrélation à parti politique, qui c'est Mathias Pierre, te répond une question, Jacqueline Bélizère, la voix de l'Amérique. En pile information et particulièrement des fausses informations qui ont circulé et en pays et sur les réseaux sociaux par rapport à la réalité. Et certainement, et au niveau du gouvernement haïtien, le président Jovenel Moïse lui continuer à faire appel à la classe politique là pour que gagne un accord politique qui sorti, il continue ouvert les bras, il continue faire appel et faire effort pour que bon accord politique. Mais cependant, il est clair que nous, dans la cinquième année, mandat président Jovenel Moïse, qui est élu pour 5 ans, et 7 février 2022, mandat arrive à terme. Il gagne une obligation constitutionnelle pour qu'il remette pouvoir à l'autre président élu. Et seule façon pour que ça fasse, il faut le faire à travers des élections.
Ça, c'est une route que le président obligé prend parce que le peuple haïtien, seul pouvoir qu'il gagne, c'est utiliser un bulletin de vote pour qu'elle a décidé qui monde qui peut diriger le pays. Et c'est pour ça que l'élection, c'est une obligation que lié. Et ça est étonnant que nous donnons des déclarations et nous suivent et nous lisons avec un peu d'attention lettre du congressman qui écrit, qui t'a presque t'a suggéré que l'élection n'est pas une obligation. Mais nous croyons qu'en démocratie, et pas une démocratie, sans que une élection, que tes peuples là, il y a un pouvoir pour décider qui monde qui vous dirige. Maintenant, pour ce qui est du référendum, qui est un acte souverain de l'État haïtien, nous comprenons la position de certains acteurs de l'international qui ont même demandé et qui continuent à intéresser, ouais, que y a une ouverture qui fait pour que l'avant-projet de texte proposé soit discuté par différentes couches et strates dans la société, ce qui a fait jusqu'à présent depuis le texte en sorti en février dernier, nous continuer à prendre des dispositions pour que le peuple haïtien connaisse le texte. Mais l'acte est un acte souverain et le peuple haïtien, le 27 juin, vient pour décider si oui, livre les nouvelles constitutions, laisse sa élection à faire sur la nouvelle constitution, sinon, élection à faire sur la constitution de 1987 amendée en vigueur. Donc, M. Pierre, si vous comprenez bien, l'aide, ça n'a pas fort, ni chaud ni froid. Et nous, tant des partenaires de pays amis, nous, et qui. Il y a des positions que vous prenez dans l'aide, ça par rapport à TPS, par rapport à compatriotes qui vivent aux États-Unis, mais il y a demandé pour que pas de financement référendum là, qui est fait par le gouvernement américain. En fait, et déjà, la communauté internationale là, t'es déjà pas à financer le référendum là et Haïti pas de faire qu'une requête pour que le référendum là t'es financé par l'aide extérieure. Gagné un basket fund et ça n'est un fonds fiduciaire qui mettait en place par le système des Nations Unies dans le cadre d'un accord qui pourrait support technique et logistique dans la question élection. Jusqu'à présent, c'est Haïti qui verse le premier versement de 20 millions de dollars qui verse et qui permet de faire toute commande de matériel non sensible et sensible qui vient pour arriver mimé qui pour faciliter et faire référendum là et deuxième versement et qui pour permettre préparer élection septembre cap vinio c'est encore pays d'Haïti qui verse 9 millions de dollars comme contribution en dans fonds fiduciaire ça et oui et nous t'a toujours aimé comme pays que nos partenaires internationaux par rapport à faiblesse que nous gagnons en termes de structure et d'infrastructure, permettre que yo t'a contribué pour aider nous organiser les élections. Mais au moment qu'on a parlé, c'est le référendum est un acte souverain. Le gouvernement haïtien lui prend engagement pour que lui finance le référendum là. Pas un référendum qu'a fait pour le plaisir de faire un référendum. Toute problématique que nous gagnons, par exemple, trois élections qui doivent faire dans une période de 5 ans, qui n'ont jamais été faites, qui fait que nous avons des institutions qui viennent dysfonctionnelles comme le Parlement, c'est parce que le coût élection est trop élevé. Haïti n'a pas une capacité pour faire 3 élections dans 5 ans. Je me rappelle 2015-2016, l'élection a coûté 100 millions de dollars. L'élection qu'on a fait, le budget, c'est 125 millions de dollars. Nous n'avons pas gagné un volume comme ça pour faire plusieurs élections. Si nous avons gagné une constitution qui permet de gagner une seule élection, en un seul tour, tout partenaire international, yo dit nous, une élection à 2 tours, li coûte 3 fois plus que une élection à 1 seul tour. Pourquoi ne pas profiter de l'étape ça pour avoir une constitution et le président Jovenel n'est pas fait en faveur puisque le pape candidat dans le cadre sa capital soutien, ça veut dire que pour que gagne une constitution qui coûte pays à moins, qui retire la plus crise, la plus confusion. Monsieur Pierre, les institutions ont été en place. Excusez-moi que m'interrompe. On essaie ouais situation ensemble. Et référendum sont actes souverains. Mais nous d'accord avec que États-Unis c'est le grand voisin avec tout poids que le gagne sous politique dans le pays d'Haïti. Binu composition Nations Unies. Et qu'on y a corps groupe gagne des réserves. La classe politique et des sommités intellectuels, Jerry Tardieu et Met Gousse, Mirlod Maniga, yo tout yo compte question référendum non et gouvernement dit ouais pas ouais, il peut aller, c'est un acte
ce référendum son acte souverain, mais il semblait c'est pas c'est plus que yon, c'est moins qu'un acte souverain, c'est un acte gouvernemental, parce que si tout secteur ça yo et les amis pas d'accord avec, mais nous dit nous praler malgré tout que moun gen moun qui gen des réserves constitutionnelles par rapport à ça, donc nous praler quand même. Moi crois que et notre co-groupe là il dit que quant au changement de constitution, le corps groupe exprime sa préoccupation devant le fait que ce processus n'est pas à ce stade suffisamment inclusif, participatif et transparent. En d'autres termes, toute note qui sortit ni par l'Union européenne, ni par le corps groupe, ni par BINU, yo allé dans le même sens, yo mandé l'État haïtien, le gouvernement, que en privé, que en public, je vous dis, que le processus soit participatif, le processus soit inclusif et que y ait plus de monde qui participe là-dedans. L'étape est un petit peu difficile pour un partenaire international, t'a dit que n'y pas voulu que Haïti consulte le peuple, pendant que 90% haïtien dit faut gagner une autre constitution dans le pays. Et moins li avec un pile. Est-ce que 90% dit qu'on gagne notre constitution ou bien 90% dit que faut gagner un référendum? Même opposition, hein, li fait congrès Mariotte, li dit faut gagner l'autre constitution, mais faut gagner une transition de 3 ans. Monsieur le ministre, on n'a pas parlé de référendum, on n'a pas parlé de référendum. Référendum pour faire une nouvelle constitution. Et la note et ou encore cette lettre signé par les 68 et députés américains qui voyaient par le secrétaire d'État, pas dit que Haïti n'a pas droit de faire référendum. Il dit, et m'appelé là très bien, ok, américain, ou encore gouvernement américain, pas de aucun support financier ou technique pour faciliter l'amendement référendum constitutionnel qui proposait. C'est ça, parti anglais a dit. Oui. Et nous comprenons. Et les spécifier dans le cadre de support, ça, faut pas qu'un cop qui baille, qui pour aider le fait. Nous comprenons ça comme gouvernement haïtien. Nous sommes des partenaires. Ça veut dire ou en opposition à partenaires là. Nous sommes des partenaires et de plus en plus, nous avons fait tout ça capable. Je dis dans la presse haïtienne, le débat sur la constitution est ouvert. Et le texte de l'avant-projet est en discussion. Et nous apprendre l'autre disposition pour nous mettre plus de monde embarqué en dans débat sous texte constitution, hein, de sorte que nous, au niveau, en tant que peuple haïtien, nous sortis avec un texte qui crée moins de conflits, plus de stabilité politique. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous sommes obligés de faire une élection et nous sommes obligés d'une dernière session parlement cap gain pour venir en 4 ans peut-être. Avant que nous tentions de faire un amendement constitutionnel, Jean Sassoud échoué dans l'année 2019, dans la dernière session du Parlement qui s'est passée. Monsieur Pierre, nous comprenons la difficulté qui gagne aujourd'hui dans le cadre de gérer le pays avec la constitution que nous gagnons aujourd'hui. Monsieur Pierre, l'heure ferme la guerre sérieusement, même pour un petit aspect technique. Hier à minuit, il a fermé le registre référendaire. Est-ce qu'on a un chiffre sur la quantité de monde qui a dit ça? L'ONI transféré au CEP 4,5 millions de personnes enregistrées. ONI a continué à enregistrer les gens, mais le registre électoral, là, comme faut qu'il était fermé suivant exigence technique CEPA et partenaire technique qui va accompagner 60 jours avant le jour du vote, donc il fermé et nous transmettre à CEPA 4,5 millions de personnes qui sont enregistrés et qui doivent participer dans le référendum qui a fini pour le 7 juin campinal. Donc, ministre Mathias Pierre, vous comprenez qu'il faut retourner encore sur la voie de l'Amérique parce que l'heure a bousculé nous. Nous voulons dire merci de ce côté accepté avec autant d'amabilité pour te répondre à la question. Mais nous prenons l'autre rendez-vous encore. Avec plaisir, avec plaisir. Mais nous pas quitter le référendum. Vendredi, nous avons une mobilisation. Avion sitting a fait devant son appui. Le samedi 1er mai, il y a une mobilisation encore, il y a une manifestation qui est sortie devant son appui, qui a passé à Foyobo, qui a monté devant Ona, qui a campé devant Ona, qui a fait la chesnelle, et qui a redescendu encore, qui a pris Nazon, et qui a descendu sous la lune
pour nous rentrer sur masse là, pour nous en place constitution, c'est dans la fin. Et le 2 encore de mobilisation. Nous sommes dans la mobilisation. Nous. Et dans ça, nous quoi? Secteur démocratique là, organisation de base, nous quoi dans la mobilisation. Et nous avons une série de monde, nous avons une série de citoyens qui ont promouvoir le dialogue en Haïti. Et nous avons dit que les citoyens ont été massacrés dans la salle. Pas de dialogue. Lorsque Jovenel Moïse a fait caravane changement, pas de dialogue. Il a goûté l'argent, pas de dialogue. Lorsque tu as un sniper qui vient tirer les gens en Haïti, pas de dialogue. Mais je ne veux pas comprendre que pendant que Jovenel a des difficultés, nous avons des gens qui ont promouvoir le dialogue en Haïti. C'est pour qu'il y ait des statu quo, c'est pour qu'il y ait des pérenniser le système, ça fait que les gens demandent des dialogues. Si vous avez le peuple dans sa lié, là, je vous dis, ça fait mon somme de dialogue. Et nous rappelons nous que c'était un dialogue qui était fait pour Michel Martelly, pour religion pour la paix, qui fait pour Michel Martelly, et mais je vous dis, mais écoute, peuple là. Ça veut dire que ce dialogue là, c'est pour qu'il y ait un système, pour qu'il y ait un statu quo. L'affaire de référendum. Peuple haïtien, pas de référendum. Si vous entraînez nous pour Jovenel Moïse passer, pour le faire référendum. Si le cas assassiné, tout le monde va passer. On a parlé d'insécurité. Je ne veux pas dire que ce n'est pas gang encore qui l'a. C'est terroriste. Et nous avons terroriste d'État. C'est l'État même qui finance pour terroriste. C'est vrai, papa ici, nous avons Boko Haram. C'est vrai, papa ici, nous avons Shebab. C'est vrai, papa ici, nous avons Moujahidine. C'est vrai, papa ici, nous avons Daesh. C'est vrai, nous avons Al-Qaïda, mais nous avons des groupes terroristes. Et nous devons comprendre que le groupe ça a kidnappé les gens. Ils ont enlevé les gens et ont dit, mais vous campement yo yé. Et ils ont négocié avec l'État pour l'aider des prisonniers pour eux, pour l'État dans l'argent. Et c'est pour la première fois. Une attaque qui fait au niveau de Bel Air, nous avons revendiqué l'attaque. C'est le terroriste qui fait ça. Les attaques faites, groupe terroriste a revendiqué l'attaque là. Mais nous avons besoin de jouer en Haïti. Ça veut dire nous disons pas ici, c'est lui qui prend grand destin en main. Affaire sécurité, ça, c'est lui qui prend destin en main, affaire insécurité, ça. C'est lui qui bataille contre la sécurité, parce que l'État faillit à la mission, parce que l'État là. L'État crasé, l'État pas là, l'État faillit à la mission. Pour nous capables de continuer à demander avec la population pour rester mobilisé. Et pas oublier aujourd'hui, on a pris un pile de monde qui a parlé de question de dialogue. Il y a tout, nous pas attendre. Mais tout le monde sait, il y a une autre chanson que vous-même avez chanté de vous. Élection, dialogue. Vous parlez tout non, référendum, vous parlez tout parole. Mais nous même au niveau de l'Alliance peuple et secteur démocratique, on a dit avec la société. La caille, bon petit bête qui est sans peau. Sans peau à son bête qui traîne à terre. Côté le passé, quel est le côté le passé? Sous quel est le sale passé, à d'où qui ton trace, une trace blanche, sous sale passé. Elle dit, depuis longtemps, des gens qui ont parlé de question d'élection, depuis longtemps, des gens qui parlé de dialogue. Depuis que nous avons parlé de consensus, depuis que nous avons parlé de référendum, on est son sang pour qu'il y ait. L'homme au monde pour Mathias Pierre, l'homme au monde pour Clarence Renoir, pour Ronnie Deroche, le monde sa yo, le pour yo, du on s'en pour. Je dis, l'homme pour un nègre avec un bous, yo pas même passé devant Juge Javel, yo prend soit mettre en prison, yo oublier le côté déposé là. Là où on est qui vole un petit téléphone, yo prend yo déposer l'un côté. Mais je dis à comment faire, on est dans le Jovenel Moïse octobre de Tibot. Qui monte plus de 64 groupes gang dans le pays, les fédérés yo, qui viennent convertir en Genève, en famille et allié PHTK, qui c'est une organisation criminelle qui monte dans le quartier populaire. Comment faire on est qui a plus passé 6 millions de dollars l'État dans le même pour le planter banane, côte banane dans le dia. Comment faire un nègre qui fait plus passer 9 massacres en dans le pays? On vole comme ça et puis on demande de dialoguer pour dialoguer avec elle. Est-ce que voler a une différence entre voler et voler? Je ne sais pas moi-même. Je dis que les gens qui sont dans le pénitentiaire ont dit qu'ils ont dialogué avant qu'ils mettent le pénitentiaire. Même pas qu'on vole dans pour Jovenel Moïse octobre de Tibot, que mandat vient depuis 7 février 2021, à chaque fois, on vient pour dire nous c'est dialogue. Je veux dire, c'est parce qu'en pile, on a demandé pour nous faire dialogue, il n'y a pas de respect pour nous dans la société. Si on a de respect pour nous, c'est mandat de Jovenel, mandat fini, kotoye, pas place. Deuxièmement, son voleur, on a pas de droit pour kotoye, c'est dans la prison, t'as dit. Je veux dire, on a pas de c'est dialogue qui a demandé nous. C'est une raison qui fait d'après appeler avec l'église. Et je veux dire, après l'église à genoux. Et pas oublier l'église. Une mission première que l'église a gagné, c'est instaurer moralité dans la société côté liée.
Et bien, si société arrive côté lié là, je dis, l'homme dans l'église protestante, l'église catholique seulement, il y a plus passé 80% de monde qui m'embande dans l'église. Et bien, je dis, si nous voulons côté lié là, c'est parce que bon travail qui n'est pas fait. Si le travail n'est pas fait, c'est faute, et pas faute nous. Parce que nous tous nous baptisons dans l'église, soit protestant ou bien catholique. Nous tous nous sommes allés dans l'église, à l'église le dimanche. Donc, mon bagage qui est au c'est parce que ça, on a besoin de mission pas accomplie. Et bien, je crois que vous devez ressaisir pour retourner, pour aller dans la vraie mission, qui c'est instaurer moralité dans la société. Je vais rappeler avec nous encore, depuis que nous avons parlé pour l'élection, dialogue, référendum, ou bien Alchit a parlé, son sans peau. Sans peau, je dis nous sommes bêtes, tout côté le passé qui ont dit trace blanche. Eh bien, méfiez-vous de ça, pas parler de pas attendre, nous avons seul bagage qui est mobilisation pour nous évacuer Jovenel Moïse d'octobre de Tibor de côté de l'IA. C'était Benel Didier, coordonnateur national de Radio Alliance Peuple, membre du secteur démocratique et populaire. Merci.